Allez, prochaine machine à sous, c'est le Scroll of Ra. C'est un jeu que j'avais testé pas mal de fois précédemment. Bon, jeu qui des fois est assez généreux. Des fois il est vraiment très très généreux, mais des fois, comme toutes les machines à sous, il paye pas grand chose. Alors, solde 906. Alors, des mises à 20, est-ce que c'est pas un peu trop élevé? On va essayer. Et voilà, 3 ou 4 symboles, bonus, n'importe où sur les roues activeront le bonus. Parchemin symbole bonus qui apparaissent en même temps sur les rouleaux 1, 3 et 5 activeront le bonus. Joker remplace tous les symboles sauf le scatter et le bonus. Hop, les symboles payants. Allez, go. Alors j'attaque peut-être un petit peu fort avec des mises à 20 parce que la balance elle est pas très très costaud. C'est vrai que ce jeu, des fois, il file bonus sur bonus, mais... Alors, on va peut-être plutôt tâter le terrain avec des mises à 10. Ah ouais, Scroll of Ra, il y a le Scroll of Ra, la version un peu plus récente, le Scroll of Ra HD. C'est vrai que c'est des jeux que j'ai déjà testé pas mal de fois. Bon, certes, des fois ils étaient assez surprenants, c'était pas mal de bonus sur bonus, mais comme toutes les machines à sous sur d'autres parties, des fois il a été un petit peu tendu. Alors, petit bonus, en parlant du loup. Eh ben non, c'est pas le bon symbole, le premier leurre. Allez, arrêt de rouleau, hop, non plus. Allez, rat, j'espère qu'il va pas faire son petit rat. Alors, on retente des mises à 20. Alors, on va quand même faire un petit spin à 30, on sait jamais. Alors, gain 30, on retente. Eh ben non, pas de bol. Vous avez gagné 30 quand même, on va réduire les mises. Bon, certes, c'est des mises quand même trop élevées par rapport à la balance, mais bon. Ne sait-on jamais, un petit coup de chance peut-être. Alors le troisième, si vous pouvez manifester ce ganache. D'accord, d'accord, démoralisant. Allez, retour avec des mises à 10. Alors, ok. Ok, wild, wild, wild. Allez, 5 tours gratuits. C'est vrai que, hop, je me rappelais plus, quand ils se démultiplient, on a les 5 tours. Le troisième peut-être. Ah, voilà, enfin, bah, il était temps. Le petit rat, il semblerait qu'il se réveille. Vous avez gagné le bonus du rat, ok. Ah ouais, c'est le bonus des coffres, alors on va prendre celui-là. Allez, choisissez trois coffres. Ah, 2100, ok, 2100, 2100. Il reste à voir la dénomination des pièces. Cacahuète, 100 ici. Alors, lequel choisir? Allez, celui-là. Vous en avez un joli à 2100 quand même. Alors, combien de pépettes? Combien, combien, combien? Ouais, c'est vrai que c'est des centimes, des fractions de centimes, donc ça va pas faire énorme, c'est pas 2100 euros. Hein, c'est Alors, big win quand même, c'est vrai que c'est que des mises à 10.
Bon ben dommage, ça aurait été des mises à 20, ça aurait payé deux fois plus. Voilà, 240. Ah ouais, il nous reste aussi les free spins. Hop. Alors peut-être que... Si Ra il fait pas son petit rat. Oh, joli. Ah ben joli. Scrolls of Ra, fidèle à sa réputation. Alors on va prendre. Ok, cacahuète ici. Si on faisait un petit tour par là. 300. Ok. Hop. Alors on va prendre celui-là. D'accord, 700. Un peu moins généreux que le précédent. Alors on gagne 310 quand même. Free spin de restant. Alors 342,52 win. Un petit bonus parchemin peut-être. Ah non, il en manquait un. Alors vous avez gagné 3800. 3800 pièces à 10 centimes, 380 euros. Alors on remonte à 956. Et ouais, c'est un x38 par rapport à la mise. Je vais tenter de poursuivre la partie, mais je me fixe quand même une limite à 500 balles, donc on va voir ce qu'on va voir. Peut-être un petit bonus parchemin entre temps. Ok, bah déjà deux fois les free spins, deux fois les bonus des coffres forts. Allez, mise à 20, on va voir. Alors, je vais alterner mise à 10 et mise à 30. Le résultat sera totalement hasardeux. Allez, 30, c'est parti. 2 spin à 10, 1 spin à 30. Alors dommage, dommage, dommage. Bon bah la rigueur ça aurait été pas trop mal le bonus qu'on a eu précédemment si c'était des mises à 100 balles. Mais bon là on pouvait pas prévoir que ça allait sortir. 5 of a kind, 220 balles. Chaque fois, il manque un parchemin pour le bonus. Bon, de toute façon, limite fixée à 500, donc là, je m'y rapproche. Alors, on va faire un spin miracle à 50, on sait jamais. Petit bonus parchemin qui serait bienvenu. Ben non, rien du tout, pas un seul win. Ok, 61 euros à jouer avant d'arrêter la partie. Je me suis fixé une limite à 500. Allez, retour sur des mises à 10. Bon, ben voilà, retour sur le Scroll of Ra. Ce fut bref, net et précis. De win, mais plus de win que de perte. Alors peut-être que
S'il fait pas son rat, il va le montrer. Ben non, là, il a fait le rapace. Alors, dernier spin. Si ça perd, ça arrête de partie. Alors, pas de petit win pour la fin. Ok, ok. Solde restant 501. Bon, éventuellement, je vais garder ça pour une prochaine machine à sous. Mais bon, je pense que la prochaine, ça va peut-être être la dernière. Ça peut très probablement se terminer à zéro, sauf si bien sûr il y a un petit élan de générosité, mais bon, faut quand même pas trop compter sur les miracles. C'est possible, mais les miracles, c'est plutôt rare. Bon, bah, fin de partie, pas de bol, malgré le fait qu'on ait gagné les free spins, les bonus coffre-fort à deux reprises. Pas moyen de se pécho un énorme big win. Bon, bah, fin de partie, puis on verra donc sur la prochaine, 501 restants. Bon, je pense que je vais l'enquiller de suite, je vais voir, faire un petit peu le tour des jeux. Et on va tester, voir ce que ça peut donner. À moins que je fasse une petite pause, que je reprenne un petit peu plus tard. Mais bon, on verra. Ouais, je vais peut-être faire une pause neurone quand même. Parce que là, l'heure sur l'heure, ça m'a un peu retourné le cerveau. Je reprendrai ça un petit peu plus tard. Allez, la bise à tous. À très bientôt.